Salut, Clyde. Oh, salut, Lincoln. Je suis en plein challenge de diplomate en 10 minutes. Devine quoi? J'ai fait faire le test de compatibilité à mes sœurs. Elles ont changé de chambre et tout se passe à merveille. Tu entends le calme qui règne dans la maison? Lana, c'est pas vrai! C'est sûrement juste un petit bug. Je te rappelle plus tard. Enlève ton stupide serpent de mon maillot porte-bonheur! S'il est aussi stupide, comment il fait pour trouver tes barres protéinées pendant que tu dors, hein? Oh! T'es un monstre! Qu'est-ce que t'as fait à Edwin? Je l'ai ramené dans le 21e siècle, mais de rien, frangine! C'est le siècle que j'aime le moins, je te signale. Qu'est-ce qui se passe? J'ai accidentellement marché sur le téléphone de Lily et elle en fait toute une histoire. Ne t'avise pas de publier ça! Je t'ai expressément demandé de ne jamais jouer de notes plus hautes que le ré 6. Tu ferais mieux de changer d'attitude, frangine. Personne ne me dit comment je dois jouer. Lenny, arrête de rigoler! J'ai juste dit que je devais aller faire pipi. Oh, tu trouves toutes tes idées? Le stupide test de Lincoln n'a pas marché. Ouais, il n'y a pas moyen que je sois compatible avec cette personne. Tu veux qu'on s'explique, princesse? Doucement, les filles, on va arranger ça. Il y a sûrement une faille dans l'algorithme du test de Lincoln. Dû au quiz super-héros du champion de la zuzote, trouvez votre complice de crime idéal. C'est ça le test de compatibilité incroyablement précis qui t'a poussé à nous faire déménager toute la maison. Ça a super bien marché pour Clyde et moi. Oui, vous êtes compatibles parce que vous êtes deux gros imbéciles. Les filles, pas de panique, on peut encore trouver les duos de colocataires parfaits. Il faut juste faire confiance à la vraie science. J'ai inventé ce bébé pour aider grand-père à trouver l'âme sœur, mais il n'était pas prêt à retrouver l'amour. J'ai simplement entré des données de chacun d'entre nous, des relevés de notes, journaux, dossiers médicaux et échantillons d'ADN. Comment t'as eu nos échantillons d'ADN? Est-ce que j'ai parlé d'échantillons d'ADN? Et voilà, nos duos parfaits. Laurie et Lola sont compatibles car elles excellent toutes les deux dans la gestion des situations sociales et possèdent une autorité naturelle. La Charles, Charles! Lenny s'installera avec Lynn. Attends, pourquoi on s'installerait ensemble? Ça n'a vraiment aucun sens! On n'a absolument rien en commun! Luna s'installera avec Lana car elles ont toutes les deux des passions communes et aiment les instruments bizarres. Luan formera un duo avec Lucy car elles sont toutes les deux très créatives et ont une forte propension à s'attasser à des objets inanimés. Lily sera avec Lincoln. Ouais, pourquoi je suis sur la liste, moi? C'était évident, Lincoln. Pour avoir les meilleurs duos possibles, il fallait inclure tous les membres de la fratrie. Attends, je vois ce que tu manigances. Ça t'arrange bien que tout le monde ait un colocataire sauf toi? En fait, moi, je préfère la cohabitation. C'est pour ça que j'ai construit cette machine à compatibilité. Mais il semblerait que je ne sois compatible avec personne. C'est un vrai casse-tête.